Bonjour les gens, bonjour les autres, c'est votre surénoi. Alors je vous explique rapidement, j'ai tourné cette vidéo mais j'ai oublié d'allumer mon micro, donc il n'y a pas de son à la base sur cette vidéo. Donc je vous tourne juste une bande son pour mettre du son un petit peu au départ de cette vidéo. Bon, dans cette vidéo, rapidement, bon voilà, ben on fait le tour de la moissonneuse. C'est pour vous expliquer qu'en fait on va revendre le CAZ Puma. Et on va garder le Linktrak parce qu'il est plus puissant que le CAZ. Et on rachètera plus tard d'autres tracteurs parce qu'on va essayer de trouver des tracteurs qui sont à 4 roues directrices. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà, tout bêtement. Bon, sur ce, je vais vous laisser avec de la musique. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour la vidéo elle-même. Que vous dire, je ne sais plus ce qu'on va faire dans cette vidéo, si ce n'est que je crois que nous allons labourer. Oui, on va tout simplement labourer. Et je vous explique qu'en réalité, je ne mettrai pas de tracteur en roue étroite. Je laisserai des tracteurs en roue classique parce que ben, j'aimerais faire, entre guillemets, le plus réaliste possible sur cette carrière. Donc, j'aimerais faire des chaintes quand on va traiter, eh ben, que ça écrase les cultures, alors qu'en roue étroite ça ne les écrase pas, et ainsi de suite. Donc voilà, bon, ben, sur ce, je vais vous laisser avec un peu de musique et je ferai en sorte que la prochaine vidéo soit nettement mieux au niveau du vocal parce que ben, j'ai merdé. Voilà, tout simplement. Mais de toute façon, la prochaine vidéo, je suis bête, elle est déjà tournée à l'heure où je vous fais le vocal de celle-ci et je sais que. J'ai bel et bien allumé mon micro sur la vidéo numéro 4. Enfin bref, voilà. Bon. Sur ce, bah, les amis, je vous souhaite une excellente vidéo et je vais peut-être vous dire un petit coucou à la fin. Allez, bonne vidéo à tous et à toutes.
We'll be right back.
Et voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo de labour vous aura plu. À la fin, je vous expliquais tout simplement qu'il y avait un petit peu de récolte dans le silo, nous avions un tout petit peu de stock et qu'il allait falloir s'occuper des animaux qui manquaient un petit peu de nourriture et autres. Voilà, bon, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente matinée, après-midi ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous dis au revoir les gens, au revoir les autres et à très vite avec votre surénois. Bis à tous!